Good morning, allez, Iden, et je serai aujourd'hui les Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom, David Ben Fortuna, Mazel Fritna, Lucien Batraina, et Robert Baruch Ben Jamil Tarava Kohen. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Sota, Perke Mishnah Bet, Bo Bayom Darash Rabbi Akiva, Vechol Kelicher Es Asher Yipol Mehem El Tocho, Kol Asher Betocho Itma, et non Omer Tame, et la Itma. Les tamés acherim, l'imed al kikar sheni, shemetame et ashlishi, shemetame et ashlishi. Amar Bioshua, mi egale afar me necha, Rabbi Yochanan ben Zakai, shaita omer, atid dor acher, letaher kikar shlishi, shanilo mikra minatora sheutame. Valo kevatel medecha me vilo mikra minatora sheutame, shenehemar, kol asher betocho, itma. Bobayom, le jour même, il y a une histoire bien connue de Rabban Gamliel qui était trop sévère au Bet Midrash. Il y avait une histoire qui est rapportée dans la Gemara que Rabban Gamliel il était très sévère au Bet Midrash et il y a plusieurs choses qui sont passées avec Rabban Gamliel, avec sa rigueur. Qu'il y a eu un jour, Khamim ont décidé de le mettre sur la touche, qu'il arrête lui de diriger le Beit HaMidrash, et ils ont nommé à la place Rabbi Elazar ben Azaria. Ça a duré cette histoire pendant une seule journée, c'est la fameuse histoire qu'on a déjà évoquée, que Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit dans la Mishnah de Brachot, qu'on lit dans la Gada, Rianike ben Shivim Shana, et tout ça, que tout le monde connaît plus ou moins. Donc là, on a nommé ce jour-là Rabbi Elazar ben Azaria en guise de Nassi, d'accord, du Rosh Yeshiva, que lui, il allait diriger la Yeshiva. Ça durait un jour, après on a remis Rabban Gamliel, et ensuite ils exerçaient en intermittence, qui était le Rosh Yeshiva. Ce jour-là, on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria, dans la rigueur de Rabban Gamliel, alors il avait interdit à toutes sortes de talmidim, d'étudiants, de rentrer à la yeshiva. De ne pas venir parce qu'ils n'étaient pas tocho kebaro. Ils n'étaient pas, il fallait un grand niveau de tzidkout, d'accord. Ils voulaient une yeshiva d'élite, de gens qui étaient sincèrement intègres, et pas des gens qui étaient plus ou moins, à peu près. Du coup, il avait interdit de rentrer. Quand Rabban Gamliel, ils l'ont exclu, ils ont dit qu'ils l'ont exclu de sa fonction. Ce jour-là, on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria, on a fait entrer plein de Talmidim. Et ce jour-là, il y a eu un grand essor de Talmidim qui sont venus au Beit HaMidrash. Il y a eu énormément de Torah qui a été étudiée, toutes sortes de drashot qui ont été rapportées. Et des enseignements que toutes sortes de gens qui n'avaient pas le droit d'entrer au Beit HaMidrash initialement, qui sont entrés ce jour-là. Ce jour-là, on a fait Maserhet Edouyot. On avait évoqué ça quand on avait étudié Maserhet Edouyot. Et du coup, il y a, chaque fois que vous voyez une Mishnah dans la Torah, dans le chasse, écrit Bo Bayom, ce jour-là, c'est quel jour, de quel jour on fait référence? Le jour où on a nommé Rabbi Hanan Ben Zakai et Rabbi Elazar Ben Azaria en Rosh Yeshiva. D'accord? Donc, en assis. Donc, Bo Bayom, Darash Rabbi Akiva. Le jour même, on a, ce même jour-là, Darash Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a fait encore une autre Drasha. Qui disait quoi dans cette Drasha? On parle dans la paracha des clés d'un ustensile où il y a dedans un chéretz qui tombe. D'accord? Un des 8 reptiles, ça peut être une souris, un rat, et il y a achbar, choled, tinshamet, il y a comme ça, il y en a 8, shmona shatzim, qui les impurifient lorsqu'ils sont morts. Et le pasouk nous dit, « Vekol kli cheres, tout ustensile en argile, asheri pol mehem, qui va y avoir dedans, qui vont tomber dans eux, el tocho, dans son intérieur, kol asher betocho ikma, tout ce qui sera à l'intérieur va devenir impur. » Donc en fait, on est en train de parler qu'on a un ustensile en cheres, spécifiquement en argile, en terre, que lorsqu'il va y avoir un cheres qui va rentrer dans l'air, dans l'espace, du Kli Cheres, le Kli Cheres, il va devenir impur,
Et tout ce qu'il va y avoir dedans va devenir impur. D'accord? Pour le moment, alors, un pasouk très simple, on a bien compris que les chres, metamim et aviro, si ça vous intéresse, c'est ce qu'on connaît que un ustensile en argile est rentamé même de lorsque l'impureté va rentrer dans son espace. Même si elle ne touche pas les parois, c'est le petit chilouche qu'on a dans le clichérès. Donc en fait, on a un clichérès avec dedans, on va prendre le cas, on a mis dedans, dans ce clichérès, on a mis dedans de la nourriture, par exemple. Ouais, ça peut être ce que vous voulez. Un œuf, par exemple. On a mis dans son fond un œuf. Il y a un morceau de chérès, un des chrasim qui va entrer dans l'espace du clichérès. La Torah m'a dit, ben, sache que maintenant l'œuf, il est devenu impur. Pour le moment, tout va très bien. Sauf qu'il faut attention au petit mot. Qu'il y a écrit Enomer tamé, et là itma. Le pasouk ne me dit pas que l'œuf il va devenir tamé, impur. Il va dire itma. Qu'il impurifiera. C'est pas qu'il est devenu impur, c'est qu'il va impurifier. Ça signifie en deux mots que c'est pas juste que lui il est devenu impropre à la consommation, il est devenu maintenant tamé. Mais pire que ça, il est devenu impropre au point où il va communiquer cette impureté à quelqu'un d'autre. De là, on apprend que l'étamé acherim, pour impurer, rendre impur les autres, l'imed al kikar sheni shem etamé et ashlishi. De là, nous apprenons que le kikar sheni, que le pain qui était devenu niveau d'impureté 2, eh bien, metamé et ashlishi, il va communiquer son impureté à un autre pain pour le rendre 3. De quoi on parle? C'est simple, on a déjà évoqué quelquefois quelques notions de Touma Vetahara, que l'impureté va en se dégradant depuis quelqu'un qui est impur. Je suis impur, j'ai touché un mort. Je suis maintenant Avatouma. Si j'ai touché un objet, je vais le rendre Rishon la Touma. Lorsque cet objet va toucher un aliment, il va le rendre Sheni la Touma. D'accord? Chaque fois, on va diminuer, chaque fois selon le niveau d'intensité de l'impureté. Eh bien, on va. L'impureté va se restreindre, qu'elle va concerner moins de personnes, moins d'objets. Par exemple, un homme qui est Rishon, il peut rendre un homme impur en le rendant. Un homme qui est Avatouma, il peut rendre un homme impur en le rendant Rishon. Mais quelqu'un qui est devenu Rishon, s'il va toucher un autre homme, il ne va pas le rendre impur. Un Rishon, il peut rendre impur que Ochlin ou Mashkin. Et maintenant, l'impureté, normalement, est censée s'arrêter dès qu'on arrive au numéro 2, elle s'arrête. Après, elle continue chez le numéro 3, que dans la Touma. C'est déduit ça de Psukim en général. Mais Rav Akiva, il vient et me dit non, pas du tout. Sache qu'un kikar, un pain, ou en fait tout aliment qui est devenu chéni, s'il touche un autre aliment, il va le rendre shlishi. L'impureté continue encore un niveau supplémentaire. D'où il déduit ça Rav Akiva, du pasouk qu'on a évoqué, où il écrit Kol Asher Betucho Yitma. Tout ce qui sera à l'intérieur, il va devenir impur. Il va impurifier, pas qu'il est impur, il va impurifier d'autres. Il va impurifier d'autres, c'est devenu factitif en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de quoi? On parle qu'il y a un ustensile en chérès. Faites attention, je vais bien expliquer. Il y a une tranche de pain qui est à l'intérieur, il y a un chérès qui arrive dedans, le chérès il est avatouma, il rentre dans l'espace, alors faites attention là maintenant, il rentre dans l'espace, il rend l'ustensile richon, que le cli qui est devenu richon, il va tout rendre le pain qui est dedans chéni. On ne dit pas que c'est le chérès comme si qui touche le pain directement. C'est là la petite finesse. On ne dit pas que c'est comme si qui le touche directement, mais c'est que donc quand il rentre dans l'espace du clichérès, c'est le clichérès qui devient impur, et puisque le clichérès est devenu impur, il va rendre impur tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a dedans du pain, par exemple. Ce pain-là, il est devenu chéni. Et la Torah m'a dit, itma, ce pain, il va impurifier. C'est pas qu'il est devenu juste impur, c'est qu'il va même impurifier des autres. Donc de là, nous apprenons que le chéni aussi est chéchi. Que le pain qui est chéni, il rend chéchi. D'accord? Amar Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua a rétorqué lorsqu'il a dit, lorsqu'il a entendu cette belle dracha de Rabbi Akiva. Alors il a dit quoi, Rabbi Yehoshua? Il a dit, « Mi égale afar me necha, qui va pouvoir dévoiler tes yeux de la terre qu'il y a dessus ?» Rabbi Yehoshua ben Zakkai, comme s'il s'adresse à Rabbi Yehoshua ben Zakkai, que... C'est une phrase que j'ai du mal un peu à comprendre, qu'est-ce qu'elle veut dire précisément, elle n'est pas tellement expliquée dans les Mefarshim. Le principe, il est en fait de nous dire, tel que je comprends, c'est que Rabbi Yehoshua ben Zakkai était déjà décédé, et que maintenant il est dans sa tombe en ce moment. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit quelque chose d'un peu triste, et alors, comme si on va lui faire une kina, une lamentation, en disant, oh, Rabbi Yochanan ben Zakkai,
Alors qu'on puisse retirer toute cette terre qui est maintenant sur tes yeux pour que tu puisses voir et te réjouir de ce qu'il y a, de ce qui se passe en ce moment. Pour nous dire que quoi? Qui va pouvoir retirer la terre de devant tes yeux, Rabbi Hanan Zakai? Pourquoi? Shaita Omer, car tu avais l'habitude de dire Atid Dor Acher Letaer Kikar Shlishi. Toi, tu avais une fois déduit ça d'un pasouk, qu'il y aura un jour où les gens se promèneront sans pouvoir, qu'il va y avoir une génération future, qui vont permettre le pain qui est Shlishi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu disais que la Torah, elle va se perdre au fil des générations, ou car on ne va même plus connaître le fait qu'un pain qui était troisième niveau de Touma, qui était Shlishi, qu'il était impur. Cette halakha va se perdre. Sache que Rabbi Hanan ben Zakkai, ce n'est pas le cas. Valo Akiva Talvidcha. Rabbi Akiva, qui est ton disciple, mais Vilo Mikra Mina Torah Sheutame. Il te rapporte un pasuk explicite dans la Torah que ce pain-là est impur. Sheneemar, Kol Asher Betocho Itma, comme le pasuk nous dit que tout ce qu'il y aura dedans impurifiera, donc, comme la Torah Sheman a expliqué, qu'il le va rendre impur d'autres choses. Le pain qui était en ce moment dans le Kli Cheres, comme on a dit, il va devenir Sheni, et il va être Itma, que s'il va toucher quelqu'un d'autre, il va le rendre impur. C'est clair? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.